CST, une célébration à laquelle les Monégasques se devaient de participer. Ce jeudi 25 janvier, la princesse Charlène de Monaco, épouse du prince Albert et mère des jumeaux Jacques et Gabriella, a célébré sur le rocher ses 46 ans. Un anniversaire immanquable pour les habitants de la principauté qui n'ont pu profiter de leur princesse durant de longs mois lorsqu'à la suite d'une infection ORL, cette dernière s'est retrouvée de mai 2021 à mars 2022 contrainte de rester en Afrique du Sud, pays où elle a grandi, bien loin de son époux, de leurs enfants et des Monégasques. Ces derniers, depuis le retour de leur princesse, ne manquent donc pas de profiter de chacune de ses apparitions et de lui faire comprendre combien il l'aimait, et son importance au sein de leur monarchie. Cet anniversaire n'a pas fait exception, puisqu'à cette occasion, les habitants ont profité de la venue de toute la famille princière au complet au sein du marché de la Condamine, célèbre place commerçante du Rocher, pour festoyer avec la princesse et lui offrir une superbe pièce montée de 4 étages en guise de gâteau d'anniversaire. Un bel exploit pâtissier qui n'a pas manqué d'impressionner le prince et son épouse, mais aussi et surtout leurs deux enfants. Un beau moment que le palais princier de Monaco a immortalisé et partagé sur ses réseaux sociaux, donnant l'occasion à tous les fans et les followers, même hors de Monaco, de souhaiter à leur tour un très bon anniversaire à la princesse. Des publications à retrouver ci-dessous. Charlène de Monaco, retour sur son évolution capillaire en 50 clichés. Charlène de Monaco, comment elle prépare Jacques et Gabriella à leur futur rôle avec l'avancée en âge de Jacques et Gabriella, leurs parents les habituent de plus en plus aux sorties officielles et à savoir comment se tenir lors d'une représentation en public. Si cet anniversaire a pu en être un exemple, la famille princière s'est également retrouvée au grand complet il y a quelques jours à l'occasion de la semaine du goût pour découvrir des saveurs inhabituelles. Des sorties qui permettent aux deux enfants de mieux comprendre les enjeux de leur rôle et qui pourraient même leur permettre à l'avenir de prendre davantage d'importance au sein de la principauté. Crédit photo, Jacovi de Moreau.